Bienvenue à Eurostéo. Bienvenue aux conférences d'Eurostéo. Et bienvenue à mon mémoire en 180 secondes. Eurostéo est un établissement qui forme les futurs ostéopathes avec la particularité de s'adresser à un public d'étudiants déjà professionnels de santé, médecins, kinés, infirmiers, sages-femmes et podologues. Notre métier, Eurostéo, est d'accompagner nos étudiants professionnels de santé dans la transition vers leur nouvelle profession, ostéopathe. Dans cet accompagnement, il existe une étape particulièrement riche. C'est la réalisation du mémoire de fin d'études. Dans ce processus mémoire, il existe un événement chargé de symboles qui clôture la vie d'un étudiant en ostéopathie, c'est la soutenance du mémoire. Les conférences d'Eurostéo sont des cycles de conférences que nous organisons depuis à peu près 5 ans. Et en général, au sein de ces cycles de conférences, nous invitons les meilleurs mémoires, les étudiants qui ont produit le meilleur mémoire, à venir présenter leur mémoire devant un public. Sachez que la plupart de nos conférences sont accessibles sur notre chaîne YouTube. L'année dernière, le cru des mémoires a été tellement bon que nous avons eu du mal à isoler les 3 meilleures mémoires. On parlait plutôt des 12 meilleures mémoires. Nous avons donc décidé de changer de méthode et nous avons proposé à ces 12 meilleurs auteurs de venir présenter leurs travaux selon la formule « Mon mémoire » en 180 secondes. 9 d'entre eux ont accepté de sortir de leur zone de confort et de donner 3 minutes de leur vie à la gloire de l'ostéopathie. Je vous demande de les accueillir sous une salve d'applaudissements qu'ils ont quand même bien mérité. Allez-y, venez. Venez sur l'estrade. Merci, super, Séverine. Donc, Philippe, Cécilia, Florent, Mélanie, Laure, Marius, Hélène et Séverine. Il manque une personne, il manque juste Léa. Mais sachez qu'on met les moyens à ostéopathie parce que nous aurons tout à l'heure son hologramme. Merci beaucoup. C'était juste un tout petit échauffement pour vous rendre compte de ce que c'est que d'être sur l'estrade. Voilà, laissez-moi vous présenter les règles du jeu. Les candidats vont se présenter chacun leur tour devant vous. Ils ont 3 minutes, 180 secondes pour présenter le contenu de leur mémoire. Pas une de plus, pas une de moins. Bon, la direction décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du chronomètre. Mais l'esprit est là. À l'issue de leur présentation, les candidats répondront à une question, et une seule, posée par l'un des membres du jury. Ils auront 3 heures pour y répondre. Ensuite, le jury délibérera pour désigner le meilleur candidat et lui attribuer un lot exceptionnel, un dîner en tête-à-tête avec Andrew Taylor Steele. Laissez-moi vous présenter le jury. Muriel Agramunt. La locale de l'étape, ostéopathe à Marseille. Philippe Vett. L'abominable homme des neiges, ostéopathe à Grenoble. Et enfin, Jérôme Noury. Ostéopathe à Bordeaux et directeur d'Eurostéo qui va vous dire quelques mots.
Merci Florent. Alors, Florent m'a demandé de vous présenter brièvement l'établissement que vous connaissez tous, mais je vais quand même vous donner quelques bases. Il vous l'a expliqué, nous sommes un établissement de formation professionnelle dédié aux professionnels de santé. Nous formons à l'ostéopathie dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle et non pas d'amélioration de l'ordinaire, des gens qui sont kinés, sages-femmes, infirmiers, podologues, médecins, kinés bien sûr, éventuellement chiropraticiens, même si nous n'en avons jamais eu. Il s'agit d'un véritable projet. Pour nous, l'ostéopathie, ce sont des techniques au service d'un concept, le concept de globalité, porté par des valeurs, qui sont des valeurs que nous essayons de véhiculer, que sont la tolérance, le respect de l'autre, le droit à l'erreur, la bienveillance, mais aussi l'exigence. Donc, nous fonctionnons sur deux pôles, un pôle à Bordeaux, un pôle à Aix, et nous avons comme caractéristique d'être en scope. C'est-à-dire que nous sommes une société de coopérative ouvrière. Et à ce titre, les formateurs que vous voyez passer, ce sont des salariés actionnaires de cette entreprise. Cette entreprise est entièrement dédiée à la pédagogie, c'est-à-dire que nos rares bénéfices sont réinvestis dans une équipe de plus en plus nombreuse, de plus en plus riche, de plus en plus diversifiée, d'univers différents, et dans les moyens que nous mettons dans la rénovation de ces beaux locaux que vous connaissez pour la plupart. Et ceux qui sont là depuis 5 ans, je pense, ont vu des changements très significatifs. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Nous organisons également des formations post-graduées. Certains d'entre vous sont là aujourd'hui pour la formation de François Laurent. Nous les organisons lors de chaque séminaire, c'est-à-dire 9 fois par an. Est-ce que tu souhaites que j'évoque un autre sujet ? Donc, on est très fiers de vous présenter le travail d'étudiants que nous aimons, qui ont fait un brillant travail sur leur mémoire et que nous avons accompagnés pendant 5 années. Donc, c'est désormais à vous. Merci. Merci. Merci Jérôme. Pour définir l'ordre de passage des candidats, nous avons décidé de donner 3 thématiques aux mémoires. Les savoirs ostéopathiques, avec 3 candidats. Les savoir-faire en ostéopathie, avec 4 mémoires. Et enfin, les savoir-être ostéopathe, avec 2 intervenantes. Pour commencer avec les savoirs, j'appelle Philippe Kieffer, ostéopathe à Montpellier. Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles. Philippe a associé ses talents d'ostéopathe à ses talents de caricaturiste. Plus talentueux que mes talents de chanteur, hein, effectivement. Le résultat, une sorte d'ostéopathie pour les nuls en bande dessinée. Le titre de son mémoire, Vulgarisation de l'ostéopathie. Philippe. Merci. Bonsoir. Donc j'ai la lourde tâche d'introduire les mémoires en 180 secondes. Et finalement, ben ça tombe bien parce que ben mon mémoire, ben ça traite, c'est une introduction à l'ostéopathie. C'est donc en tentant de vulgariser, d'expliquer pour les nuls, ben ce métier un peu complexe. Et ben rien de plus simple finalement qu'un dessin, c'est parlant. Pour parler d'ostéopathie, d'abord quelques noms. Donc Andrew Taylor Steele, qui est le père fondateur de l'ostéopathie, qui a eu l'illumination de l'ostéopathie et qui a fondé la première école aux États-Unis. Sutherland, qui était un élève de Steele et qui, sans se perdre dans les méandres des sutures, amena à l'ostéopathie crânienne. Et enfin, John Martin Littlejohn, qui fut un élève de Steele aussi, qui travailla sur la sphère viscérale et surtout qui exporta l'ostéopathie en Europe en créant une école en Angleterre, et ce qui nous permet de faire de l'ostéopathie ici maintenant. Mais du coup, l'ostéopathie, c'est quoi ? Donc c'est des principes, un concept, et notamment la globalité, un des premiers concepts, c'est-à-dire de prendre le patient dans son ensemble, de la peau aux muscles, en passant par les viscères, le crâne, mais aussi le patient dans son quotidien, dans sa vie, ses antécédents, son émotivité, lui-même dans son ensemble. Ça s'appuie aussi sur l'homéostasie.
Donc l'homéostasie, c'est le pouvoir auto-guérisseur du corps, l'énergie de vie, ce qui permet l'équilibre de la santé. Le corps, donc, c'est un peu comme un ordinateur, il fait des mises à jour régulièrement pour être performant. Et surtout, il n'oublie pas de vider la corbeille, d'enlever les spams pour qu'il n'y ait pas de virus mal placé et que du coup, que ça ne perturbe pas le système. C'est aussi la relation structure-fonction. Parce que toute altération de la structure aura donc une répercussion sur le bon fonctionnement de la fonction. Prenons l'exemple du coup du vélo, qu'on va mettre comme structure, sa fonction est de rouler. Voilà. Mais si la chaîne déraille ou se casse, vous l'aurez compris, ça avancera beaucoup moins bien. C'est aussi l'ostéopathie, la loi de l'artère, ou plus généralement du réseau sanguin. Et un peu comme Père Noël, le sang, ça amène des cadeaux au corps, des bonnes choses. N'oublie pas d'enlever les déchets non plus. Et c'est surtout un peu comme une rivière, le sang. Donc, quand il y a la rivière, il y a des arbres, des oiseaux, enfin, plein de vie, tout ça. Et si vous mettez un barrage, toute la vie s'arrête. Il y a plus rien, vous asséchez la rivière. C'est enfin l'ostéopathie du lien. Qu'il soit mécanique, métabolique, vasculaire ou neurologique, l'ostéopathe, il joue un petit peu les enquêteurs. Il essaye de mettre en relation les dysfonctions, les adaptations du patient pour connaître et comprendre son schéma. Et un peu comme dans les thrillers américains, il fait des petits tableaux, il essaie de retrouver tout ça. Et en conclusion, l'ostéopathie, c'est magique. Voilà. Enfin, non, pas vraiment. En fait, l'ostéopathie, si c'est un pouvoir magique, c'est la connaissance de l'anatomie, la manière de décoder le corps et les dysfonctions et enfin de maîtriser ces différentes techniques et de répondre au mieux, du coup, à la demande de son patient. Voilà. Merci. Ah mais oui, c'est vrai, il y a une question, Philippe. Donc la première question sera posée par Jérôme. Philippe, bonsoir. Tu es un homme de contraste. Comment est-ce qu'un garçon fin comme toi et tout sauf vulgaire a été amené à vulgariser l'ostéopathie ? Parce que mon métier de premier, c'était kiné. Et du coup, j'ai beaucoup de questionnements vis-à-vis de kiné, ostéo, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pareil, c'est différent. Pourquoi, en fait? Et je me suis longtemps retrouvé à pas savoir bien l'expliquer. Et j'ai fait mes études d'ostéopathie. J'avais plus de mots à amener pour pouvoir expliquer ce métier et pouvoir faire une différence pour que les patients comprennent mieux que c'est des métiers complémentaires et que ce sont aussi des métiers différents. Et du coup, je voulais, par son mémoire, essayer d'expliquer ça simplement parce que les termes techniques, tout ça, c'est pas forcément parlant aux patients. Et puis, comme je disais, un dessin ou en tout cas un peu d'humour, des choses comme ça, ça peut amener à mieux comprendre les choses. Voilà. Merci Philippe. Avec plaisir. J'invite Cécilia Bruyer, ostéopathe. Ostéopathe à Nice a monté, c'est déjà fait, elle est sur l'estrade. Selon sa définition officielle, l'ostéopathie est une approche systémique de l'individu. Elle s'intéresse au tout plutôt qu'à la somme des parties. Ceci dit, la méthode réductionniste, qui consiste à découper un phénomène en tranches et de démontrer que chacune de ces tranches est vraie, a fait aussi ses preuves. Cécilia a donc découpé le MRP en tranches et elle nous livre les morceaux du gâteau. Le titre de son mémoire, « Le MRP dans tous ses états », revue de littérature sur le mécanisme respiratoire primaire. Cécilia, c'est à toi. Merci Florent. J'ai donc réalisé une analyse de la théorie du concept MRP en gardant l'organisation décrite par le docteur Sutherland en 5 points qui sont, pour mémoire, la motilité du système nerveux central, la fluctuation du liquide céphalo-rachidien, les membranes de tension réciproque, la mobilité des os du crâne et ensuite la mobilité involontaire du sacrum entre les iliaques. Pour chacun de ces points, je suis donc partie de la théorie, du concept théorique, et en fouillant dans la littérature empirique ostéopathique et dans les dernières publications scientifiques, j'ai essayé d'étayer le concept, de l'expliquer et éventuellement de lui apporter du crédit.
Donc l'analyse des résultats m'a permis de me rendre compte que pour certains points, le docteur Sutherland, qui a donc mis en place tout le concept, était un fabuleux visionnaire. Parce qu'en effet, aux lumières des sciences actuelles, les cellules du système nerveux central sont effectivement douées de motilité, pardon, et l'encéphale pulse effectivement à au moins 3 rythmes différents, dont un non défini. Les 2 premiers étant respiratoires et selon le rythme cardiaque. Et effectivement, le liquide céphalo-rachidien fluctue, il pulse avec le rythme de l'expansion cérébrale. Pour la mobilité des os du crâne, c'est là où ça se corse. Les dernières techniques d'imagerie médicale ont permis de démontrer une ossification totale de la SSB à l'âge adulte. Ce qui donc invalide la théorie de base. Mais par contre, il a été observé une expansion, une modification des diamètres et des périmètres crâniens chez un même individu et une certaine malléabilité des sutures. Ce qui m'a continué à me poser beaucoup de questions et donc du coup a continué à bien creuser le concept. Et les résultats concernant les membranes de tension réciproques et la mobilité involontaire du sacrum entre les iliaques restent très flous et ne permettent pas d'accréditer la théorie de base. Si on repart sur ce que nous a dit Florent, effectivement, de découper comme ça le concept en tranches m'a permis de me rendre compte que certains points étaient effectivement... Il y avait beaucoup d'arguments en faveur pour le concept et des arguments qui étaient également contre. C'est pour ça que je me suis dit que c'était pas la peine d'invalider. Enfin, on ne pouvait pas invalider toute la théorie. Et notamment, c'est pour ça que j'en viens à cette vidéo. Quand on voit des choses comme ça, c'est une étude qui a été menée par des vétérinaires ostéopathes chez le lapin, où ils ont observé en direct à l'aide de craniotomie chez des lapins anesthésiés. Le MRP en direct. Donc du coup, quand on voit des choses comme ça ou quand on ressent lors de pratiques, pour ceux qui l'ont expérimenté, de techniques crâniennes, du coup, à ce moment-là, comment on pourrait expliquer ça ? Donc pour moi, le débat reste ouvert, je suis très claire. Et je pense vraiment qu'il faut continuer à chercher, qu'il faut continuer à creuser à chaque fois le concept. Et j'espère vous avoir donné envie, du coup, de lire mon écrit. C'est la dernière fois que je fais. Cécilia a tout donné. Ah oui, je suis stressée. Elle m'a dit tout à l'heure en aparté que si ça avait duré 5 minutes, elle aurait refusé de venir. Donc voilà. La question du jury est posée par Philippe. Bonsoir Cécilia. J'allais te dire, après cette revue de presse que tu as faite, j'aimerais simplement entendre ton avis et ta position avec le peu d'expérience que tu as sur cette perception du MRP par rapport à la pratique sur le MRP, ta sensation et ce que tu peux en faire, toi. Alors, c'est quelque chose que j'ai complètement intégré dans ma pratique et qu'au quotidien, j'utilise avec mes patients. Après, de mon maigre expérience d'ostéopathe, je pense vraiment qu'on n'a pas toutes les réponses à l'heure actuelle sur ce que c'est que l'ostéopathie et comment vraiment l'aborder, enfin tout le mystère de la vie en fait. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas encore la réponse. En attendant, le concept crânien, moi personnellement j'y crois. Je pense pas par contre que toute la théorie soit c'est ce que je dis dans mon écrit, la théorie n'est pas justifiée entièrement, qu'il faut à mon avis repenser le concept et revoir certaines choses, mais en tout cas c'est absolument pas quelque chose qui est pour moi à écarter de l'ostéopathie. De rien. Merci, Cécilia. Enfin, pour en finir avec les savoirs, tout en restant dans le champ crânien, voici Florent Hermite, ostéopathe, à la Seyne-sur-Mer. Florent, très, très joli prénom. Merci. Tu es venu avec des petits accessoires. Avec un petit accessoire, oui. Tu veux qu'on pose quelque part ? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Quand on fait une étude scientifique, l'important est d'avoir un bon outil de mesure. Or, quand on parle de la mobilité des os du crâne, on parle d'un ordre de grandeur du micromètre. C'est ça ?
Et Florent connaît du monde dans l'univers de la mesure. Le titre de son mémoire, Étude de la mobilité crânienne dans le champ ostéopathique. Florent, c'est à toi. Merci, bonsoir. J'entends souvent un de mes collègues kinés dire, lui de toute façon, il fait bouger les os de la tête. Comment faire pour prouver la mobilité des os du crâne? Historiquement, c'est en 1899 que William Garner Sutherland, père fondateur de l'ostéopathie crânienne, a eu son idée folle, comme il l'appela. En observant un crâne, il compara les surfaces articulaires du sphénoïde avec les ouïes d'un poisson. En goûtant leur style, le père fondateur de l'ostéopathie n'a pas eu le temps d'approfondir le concept, mais il lui fit remarquer à l'époque que ferait le cerveau si les os du crâne ne bougeaient pas. À l'inspiration, les fluides montent et à l'expiration, ils sont drainés vers l'extérieur. Il ne te reste plus qu'à tirer cela au clair. C'est ce que j'ai essayé très modestement de faire. Pour cela, j'ai utilisé deux machines-outils de métrologie, donc un tracker laser et une machine à mesurer tridimensionnelle qui ont des ordres de précision de 15 et 4 micromètres. Pour pouvoir immobiliser le crâne, j'ai élaboré donc ce support. J'ai privilégié de laisser la mobilité intrinsèque du crâne supposée la plus libre possible. Donc j'ai juste eu recours à un appui mentonnier et à une empreinte maxillaire au niveau dentaire. Le site de l'expérimentation, ça a été donc le temporal avec la suture pariéto-squameuse, car il était facile d'accès et la mastoïde du temporal permet d'avoir un grand bras de levier et c'est aussi une des dernières sutures à sossifier au-delà de 70 ans. Nous avons réalisé des séries de mesures avec contrainte et sans contrainte, la contrainte étant un appui bimastoïdien inspiré de la technique du roulement des temporaux. L'interprétation des résultats a mis en évidence des similitudes sur les deux machines. Donc, à savoir, premièrement, il y avait une augmentation d'amplitude du diamètre crânien avec appui. Et dans un deuxième temps, que les mesures des amplitudes avec appui étaient inférieures à celles sans appui. Donc, on avait une sorte de stabilisation de l'os temporal qui prouvait bien qu'il y avait un effet sur cet os quand on mettait une contrainte dessus. L'ensemble de ces mesures donc, a, semble-t-il, mis en évidence une mobilité des os du crâne. Il serait intéressant de poursuivre ces études afin de valider scientifiquement les pratiques ostéopathiques en général et cette idée folle en particulier. Sans perdre de vue la relation entre l'ostéopathe et son patient, qui, au travers de l'échange réciproque, permet à la santé de trouver sa voie de passage. Voilà. Je vous remercie. Florent, c'est passé, tu peux brûler ton matériel, maintenant tu n'en auras plus jamais besoin. Je sais que tu en rêves. La question sera posée par Muriel. Bonsoir Florent, moi déjà je tiens à te féliciter pour ton instrument de torture, là j'ai vraiment été impressionnée par sa réalisation. Et du coup, j'aimerais bien, ouais. Et du coup, je me demandais, après tout ce que tu as mis en œuvre, la recherche, comment tu t'es creusé le cerveau pour justement essayer de mettre en place ces mesures, maintenant que c'est fait et que tu en parles justement, parce que je trouve que c'est un super travail, mais comme tu l'as dit, il y a plein de biais et tu aurais aimé pouvoir te libérer certaines contraintes pour aller plus loin. Qu'est-ce qui serait rêvé pour toi comment tu rêverais une expérimentation qui pourrait justement mettre en évidence plus de mobilité ou moins de biais ou quelque chose de plus flagrant si c'était arrivé? Je pense que ce serait intéressant. Il y a des outils qui sont intéressants. Il y a des scans en trois dimensions maintenant. Donc, pouvoir faire des techniques, appliquer des techniques ou même en laissant le crâne libre et observer ce qui se passe. Ce serait quelque chose d'intéressant pour avoir vraiment la globalité. Parce qu'au départ, j'étais parti vraiment sur l'analyse d'une suture et quantifier le déplacement. Je me suis aperçu, avec les biais inhérents à l'étude, que c'était pas si simple.
même avec des outils très performants, parce que mécaniquement, c'est ce qui fait plus précis, on va dire, en mètres. Et du coup, j'ai privilégié en fait la mobilité globale, voir si vraiment il y avait un mouvement ou pas. Donc il faudrait un outil comme un scan 3D, je pense que ça pourrait être intéressant. Des scanners comme ça qui existent pour... Ça n'a pas été fait encore? Non. D'accord. Non, ça n'existe pas. Il y a eu des études en IRM, en radio, mais en mètre, il n'y avait rien de... J'ai rien retrouvé dans la littérature. Merci. Ouais. Passons au chapitre des savoir-faire avec Mélanie Coccalotto, ostéopathe à Salon de Provence. Rien que son nom est un poème. Rendez-vous compte, Coccalotto, 2C, 2L, 2T. Trois O. Michel Sicotti n'a qu'à bien se tenir. Mélanie va nous parler d'un problème qui touche les femmes autant que les hommes. Enfin, surtout les femmes. Un peu les hommes, pour peu qu'ils aient un minimum d'empathie. Bon, j'ai un peu l'impression de ramer, là. Que dis-je ramer ? Je m'enlise. Donc, voilà, Mélanie, vite, aide-moi. Le titre de ton mémoire, « Les algoménorrhées de liens ostéopathiques en traitement ». Mélanie, c'est à toi. Bonsoir. Alors, les algoménorrhées, qu'est-ce que c'est ? Mesdames, ça vous concerne, ça vous touche. Messieurs, un peu plus indirectement. En fait, c'est quand on a très mal au ventre pendant nos règles. C'est l'enfer, en gros. Pour messieurs, ben en fait, c'est quand on a d'humeur un peu acariâtre, c'est quand il faut rester un peu à distance, vous vous dites « Oula, c'est pas trop le bon jour aujourd'hui ». Alors, c'est pas le bon jour, ok, on a mal au ventre, mais c'est pas normal. C'est pas quelque chose de normal d'avoir mal au ventre pendant qu'on a ses règles. Et pourtant, plus de la moitié des femmes sont atteintes. C'est-à-dire que dans cette salle, mesdames, il y en a au moins une sur deux qui a mal au ventre pendant ses règles. Alors bien sûr, on vous propose des solutions, on vous propose des antispasmodiques, des anti-inflammatoires, la pilule contraceptive, on essaye de se mettre sur des traitements un peu plus naturels, un peu l'homéopathie, l'acupuncture. Tout ça c'est très bien, mais ça ne fait que masquer le symptôme, on ne s'intéresse pas à la cause. Et ça tombe bien, nous sommes ostéopathes, ou en devenir, et on s'intéresse, du coup notre prise en charge est holistique. Andrew Taylor Steele parlait bien de ça, quand il a commencé à donner ses principes, il parlait d'unicité du corps. Et ça nous intéresse. C'est ce qui va nous amener à trouver la cause. Parfois il y en a, parfois il n'y en a pas, au niveau des algoménorrhées. Donc, on a eu pas mal de principes de base donnés par Andrew Taylor Steele. L'ostéopathie a évolué depuis, on a eu pas mal de principes qui se sont mis en place. Et on est arrivé à des liens fondamentaux. Pour nous, ostéopathes, vous les connaissez. Ce sont le lien mécanique, le lien vasculaire, le lien neurologique, le lien musculaire, le lien viscéral. Alors, j'ai fait ce mémoire. Le but, c'était vraiment de partir de tous ces liens fondamentaux que vous connaissez pour amener des traitements et des solutions face aux algoménorrhées. J'ai voulu confronter donc toute la partie théorique à la réalité. Qu'en est-il en réalité ? Comment les ostéopathes traitent les algoménorrhées ? Pour ça, j'ai établi un questionnaire et j'ai questionné tout un panel d'ostéopathes. Et qu'est-ce qu'il en ressort ? Donc, toute cette étude a mis en exergue l'importance du lien viscéral. C'est vraiment quelque chose, dans les statistiques de mes questionnaires, bon, c'est allé assez haut. Après est venu l'axe crânio-sacré et le lien mécanique. Donc, pour revenir à ce lien viscéral, c'est quelque chose qui a primé et on peut l'expliquer par tout ce qui est interrelation entre chaque organe. Donc, l'utérus est un organe, mais autour de lui, il y a tout un tas de voisins d'organes. Alors le but n'était pas forcément que de mettre en avant ce lien viscéral. Le but, c'est de faire connaître la prise en charge des algoménorrhées. Il y a beaucoup trop de femmes qui souffrent d'algoménorrhées. C'est encore quelque chose de peu connu. On dit, mais c'est normal d'avoir mal au ventre. Non, ça ne l'est pas. Et je voulais que ce mémoire mette en avant les algoménorrhées et qu'on trouve des solutions. Et bien plus important, bien sûr, c'est de faire connaître notre prise en charge auprès des médecins, auprès des sages-femmes, auprès de surtout toutes ces femmes qui souffrent et de leur mari qui compatit plus ou moins. Voilà. Merci. Merci.
Jérôme, ma question est pour toi. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Alors, j'aimerais savoir où tu places l'endométriose dans ton tableau d'algoménorrhée, mais je tiens à préciser pour les mauvaises langues que l'utérus n'est pas mon organe et que ça ne concerne pas mon anatomie personnelle. Alors, l'endométriose, on en parle beaucoup, on commence à en parler un peu plus. Donc, endométriose, il y a aussi une autre forme où on parle d'adénomyose, c'est une forme un peu plus interne sur l'utérus. On en parle moins, mais il faut la connaître aussi. C'est une forme d'endométriose. L'endométriose fait partie des algoménorrhées. À la différence, alors les algoménorrhées, on peut les classer en deux types. On va avoir des algoménorrhées primaires qui sont tout à fait fonctionnelles, où il n'y a pas d'atteinte organique, il n'y a pas de signe de gravité. Les algoménorrhées secondaires, où va entrer l'endométriose, on va avoir une atteinte organique en fait. On peut nous faire un traitement sur l'endométriose et on a tout intérêt à travailler sur l'endométriose, sur les restrictions de mobilité pour essayer de diminuer un peu cette douleur chez la femme atteinte d'endométriose. Mais elle fait partie des algoménorrhées, ce qu'on appelle secondaires, donc organiques. Merci Mélanie. Merci. Merci Mélanie. Laure Payès. Après la cantatrice, la danseuse, qui avait à peu près les mêmes exigences pour sa loge. Laure va nous parler d'un sujet qui est à l'antithèse de sa manière d'être, la constipation. Le titre de son mémoire, « Intérêt de l'application d'un traitement ostéopathique chez les patientes atteintes de constipation chronique fonctionnelle ». Laure, tu es en scène. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter la constipation chronique fonctionnelle chez la femme. Donc, pourquoi ce sujet d'abord ? Faut savoir que j'avais énormément de plaintes qui émanaient soit de mes patientes, soit de mes amis, soit de ma famille. Et du coup, j'ai trouvé assez intéressant d'aborder le sujet dans le cadre de l'ostéopathie. Une fois la thématique définie, ce qui a été important, c'est de trouver le lien. Parce que le lien ostéopathique, pendant 5 ans, on vous le rabâche. C'est un peu le graal du traitement ostéopathique. Donc là, tu cherches. Tu cherches, tu cherches, tu penses tout le temps, tu brosses les dents sous la douche, même dans les chiottes. Et là, pour le coup, on reste bien dans la thématique. Par contre, c'est pas pour ça que j'ai trouvé la révélation à ce moment-là. Bref, passons. Donc je cherche, et là, entre innervation et côlon, bam, ça y est, j'ai quelque chose. Je pense un lien entre le système nerveux autonome et le système digestif. Donc le système nerveux autonome, qu'est-ce que c'est ? C'est un système nerveux qui se divise en deux, orthosympathique, parasympathique. Il faut savoir que ce système, il est involontaire. Donc à partir du moment où il est involontaire, on le contrôle pas. C'est-à-dire qu'il peut avoir des incidences directement sur le système digestif sans qu'on en ait conscience. Donc le système orthosympathique, lui, grosso modo, il va ralentir le transit intestinal, tandis que le système parasympathique, lui, il va plutôt accélérer le transit. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut qu'on aille à la selle. Donc pour ça, je me suis dit que ma logique était la suivante. Je vais appliquer un traitement ostéopathique focalisé, on aime bien la focalisation en ostéopathie, sur le système nerveux parasympathique, entre guillemets le nerf vague, et on va voir si ça a une incidence ou pas sur la symptomatologie des patientes. Donc la mise en place du protocole, elle est la suivante. J'ai pris des patientes que j'inclus dans mes petits crochets, et je vais procéder de la manière suivante. Je leur fais remplir un questionnaire. Donc ce questionnaire, il détermine le degré de gravité de constipation chez la patiente, à savoir que plus le score il est élevé, plus on va avoir une constipation dite sévère. Ensuite, le traitement ostéopathique en tant que tel. Et ensuite, 3 semaines après, c'est la durée où on arrive à objectiver une efficacité dans le traitement ostéopathique, je décide de leur refaire passer le même questionnaire pour voir, en fonction des résultats, s'il y a eu une évolution positive ou négative. Donc à ce moment-là, c'est l'heure des résultats, la sanction tombe, ta-da-da-da-da-da-dam, et là, pour moi, j'ai trop de la chance. J'ai une baisse de la symptomatologie chez toutes mes patientes. Ça, c'est plutôt cool, on est content.
Mais au-delà du fait d'être content, ce qu'il faut quand même retenir de ce mémoire, c'est qu'un traitement ostéopathique peut avoir une incidence sur la constipation à travers une action sur le système nerveux autonome. Voilà. La question revient à Philippe Vette. Super. Salut. Là. Salut Philippe. J'étais embêté parce que j'avais qu'une envie, c'est de te poser une question. Un peu chiadée. Bah un peu oui. Mais bon, je te la poserai en off, d'accord. Je te dirai simplement, toi qui as étudié effectivement et qui a eu envie d'aller sur le terrain du système parasympathique, ce qui quand même est quelque chose qui m'intéresse personnellement, est-ce que tu as pu noter avec le recul, alors tu n'as peut-être pas suffisamment eu de recul par rapport à tes patientes, que le traitement du DIS ou du système parasympathique est dans son efficacité au niveau du côlon, possédait peut-être des effets plus durables qu'un traitement ostéopathique, tissulaire ou en motilité plus classique. Alors, effectivement, le traitement avec un abord sur le parasympathique, pour moi, il a été assez évident parce que c'était un système inconscient sur lequel on a une mainmise avec l'ostéopathie. Et par rapport, tu me parlais de meilleurs résultats sur l'application du parasympathique par rapport à un traitement en motilité, c'est ça ? Oui, ou tenu dans le temps, oui. Parce qu'en fait, la tenue dans le temps, j'ai pas eu le temps de faire un comparatif avec un traitement en motilité. Ce serait quelque chose à proposer ou avancer. Là, j'ai pas de recul. Ce que je sais, c'est que moi, 3 mois après, j'ai quand même refait passer un questionnaire à mes patientes pour voir la durabilité dans le temps. Et effectivement, elles maintenaient les effets du parasympathique. Donc pour l'instant, j'ai que ça comme recul. Je te remercie. Merci, Laure. Pour clore ce chapitre sur les savoir-faire, veuillez accueillir Marius Manolé, ostéopathe. Ostéopathe à Marseille. Tu es venu accompagner Marius ? Oui, pour les émotions. Je veux bien, s'il peut assister, c'est possible ? C'est mon petit copain. Contrairement aux apparences, Marius est un garçon sérieux. Parmi tous les motifs de consultation, il y en est un qui revient régulièrement dans nos cabinets. C'est la lombalgie. Marius a mené une recherche extrêmement rigoureuse sur cette thématique. Je vous livre le titre de son mémoire. Intérêt d'un traitement ostéopathique global versus technique faciale localisée versus placebo dans le cadre de la lombalgie commune. Marius, c'est à toi. Bonsoir. Imaginons que vous vous retrouvez dans un grand parc d'attractions, disons Disneyland. Et pour une raison ou une autre, on vous prive des meilleurs manèges. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va pas voir Space Mountain, on va pas se mettre dans la tour de la Terreur, ce sont mes préférés personnellement. De la même manière, je trouve que de priver nos patients des meilleures techniques, de la panoplie de techniques qu'on nous apprenne à Eurostéo, ce serait sacrilège. Soyons honnêtes, on ne va pas chez Disney Paris pour faire juste un petit tour de petit train. Certes, c'est mignon, mais on n'a pas fait 2 heures de queue juste pour monter dans un engin qui roule au pas et qui tourne en rond. Vous l'avez bien compris. Moi, je compare soigner mes patients par les amener dans un tour de manège qu'ils ne sont pas prêts à oublier. Pour cela, je suis prêt à devenir le guide personnel, vous savez, ceux qui tiennent les fameux sésames, là, les coupe-fils, pour enchaîner les attractions. Prenons les patients lombalgiques, par exemple. Ce sont monsieur et madame tout le monde qui amènent leurs enfants chez Disney et qui, à tout moment, peuvent subir un épisode douloureux dans leur vie.
j'ai étudié 15 personnes venant des milieux différents, des âges différents, puis j'ai reparti en trois groupes. Le groupe placebo, à qui j'ai fait faire que des tours de petit train. Ils n'ont pas trop aimé. Certes, ils ne connaissaient pas mieux et ils pensaient retrouver les meilleures fonctionnalités d'un parc d'attractions tel que Disney. C'est sans surprise, ces gens-là, ils ont été plutôt déçus de leur expérience chez Disney. Et ils ont conservé le mal de dos et tout ce qui s'ensuit. Un deuxième groupe qui a eu droit à un seul tour de Space Mountain. Ce sont les patients sur lesquels j'ai pratiqué que des techniques à viser libération faciale sur des zones que j'ai préétablies lors de mes bilans. Certes, ça a fait quelques heureux, mais globalement, ils ont été restés sur leur faim. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas profiter davantage des fonctionnalités du parc. Bon. Et là arrive le troisième groupe, les VIP, ceux qui passent devant tout le monde là et qui nous narguent là. Ceux qui ont les coupe-fil et qui enchaînent les attractions. Imaginez avoir des coupe-fil à volonté, imaginez enchaîner les attractions. Plutôt sympa, non? Alors, 6 mois et 45 séances non rémunérées plus tard, je me suis rendu à l'évidence. Priver son patient de meilleur de soi-même en tant que thérapeute, ce serait comme si le grand Walt Disney a jamais dit « Si on peut l'imaginer, c'est qu'on peut le faire. » Merci. Bravo. Muriel, la question, le niveau est élevé. Hein. Oui. Merci Marius. Je ne sais pas si beaucoup des personnes qui sont là ont lu les mémoires de Marius, mais moi je l'ai lu. Et franchement, je ne m'attendais pas à autant de drôleries et d'imageries et de métaphores, parce que ton mémoire est très intéressant, mais il est très, ouais, très protocolé, très sérieux et très intéressant. Et par rapport à ce grand tour chez Disney, maintenant, toi, avec toutes les études que tu as menées et que tu es ostéopathe et que tu pratiques tous les jours, mais cette fois-ci rémunéré, j'espère, et que tu as tes petits passes coupe de fil, comment toi, tu vas te positionner à l'entrée du parc ou dans le parc pour pouvoir réguler parce que pas tout le monde est capable de faire du Disney toute la journée, peut-être, des attractions toute la journée, peut-être pas tout le monde a l'envie de ça, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts, qui viennent à Disney juste pour manger des trucs dégueux dans les petits, dans les petits restos pourris. Comment toi, maintenant, avec ton recul et tes études, tu te positionnes par rapport à cette expérience que tu as pu tirer de ça? J'entends ta question et j'adore les sensations fortes. J'adore rendre cette expérience un patient qui rentre dans mon cabinet, qui n'ait pas l'impression qu'on le néglige, qu'on le calcule pas, qu'on ne veut pas qu'il passe un aussi bon moment que son thérapeute. Donc moi, je suis celui qui présente les choses de manière à ce que le patient puisse retrouver sa propre voie de guérison, mais peut-être en s'amusant, peut-être en l'écoutant. Les coupe-fil, ce ne sont pas que de faire des loopings ou que ça soit explosif ou que ça soit une expérience bombastique. C'est aussi écouter, c'est aussi savoir montrer l'empathie, c'est aussi savoir montrer qu'on a compris la personne. Des fois, c'est les petites choses et c'est ça les coupe-fil que j'adore utiliser, et ça prend toutes les formes. Et si le patient, en fin de séance, est tout à fait content de son expérience, et en plus, il y a le résultat objectivable derrière, bon, moi, je suis cette personne-là qui distribue les passes, et voilà. Merci, Marc. Merci, Marc.
be or not to be. Place au savoir-être ostéopathe avec Hélène de Repère, ostéopathe à Bordeaux. Siléa nous a parlé de l'effet de l'ostéopathie sur la voix du chanteur lyrique. Hélène, à l'inverse, s'est questionnée sur l'effet de fulcrum de la voix du thérapeute sur son savoir-être ostéopathique. Le titre de ton mémoire, Hélène, « La voix de l'ostéopathe, fulcrum lors du traitement ». Hélène, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, afin de prodiguer un traitement optimal, il semble judicieux que l'ostéopathe soit bien dans ses baskets. J'entends qualité de présence, une écoute empathique. Et pour cela, l'ancrage et le centrage semblent être une clé importante. Ayant des difficultés à garder cet ancrage et ce centrage tout au long de mes séances, j'ai cherché un outil qui pourrait m'aider à prendre conscience que je n'étais plus dans cet état afin de revenir dans un état beaucoup plus stable. Et le dénominateur commun que j'ai trouvé, c'était ma voix. Parce que je fais que de parler. Et je me suis dit, tiens, la voix, c'est un lien qui est subtil. Il est ni voyant, il n'est pas palpable. Par contre, il peut venir nous toucher lorsqu'on est à son écoute. La voix, en termes de prosodie, fait partie de la communication paraverbale. Elle livre des intentions donc non verbales et aussi des indications sur notre état émotionnel. Par exemple, une voix timide, ça va être une voix qui a tendance à s'affaisser, ou une voix où on est un peu plus en colère, donc le ton va monter. A contrario, lorsqu'on est bien, qu'on est heureux, notre voix résonne d'une manière claire, profonde et sincère. Pour avoir cette voix, en fait, la posture va être importante. On va retrouver donc des appuis au sol, on va retrouver une verticalité et aussi une ouverture au niveau du cœur. Cette posture, c'est la même en fait que la posture dans le centrage et d'ancrage. Lorsqu'on a un déficit d'ancrage, on va avoir tendance en fait à s'affaisser, enfin à rentrer les épaules et par effet domino, notre voix va résonner différemment. Du coup, je me suis dit, en fait, si on était à l'écoute de notre voix, elle pourrait nous donner donc une indication sur notre état d'ancrage en tant qu'ostéopathe. Et aussi, on peut aller plus loin en se disant, si on a une voix en fait qui est claire, profonde et sincère, notre patient le ressent et peut aussi s'abandonner plus facilement sous nos mains. On peut aussi encore aller plus loin en utilisant le son de notre voix comme fulcrum d'un point de vue vibratoire où on va émettre des sons au niveau des organes pour pouvoir aussi avoir un relâchement tissulaire. Et pour finir, je vais terminer sur une citation que j'affectionne beaucoup de Viola Freeman qui dit qu'un patient global a besoin d'un ostéopathe global. Donc pourquoi se limiter qu'à nos mains et pourquoi pas utiliser d'autres parties plus subtiles de notre corps? Merci. Philippe, une question? J'adore Viola Freeman. Alors moi, j'utilise assez peu ma voix. Je suis assez peu enclin à utiliser cet organe. Mais je te dirais, et je te poserai la question suivante, selon toi, le fulcrum vocal du thérapeute est-il plus utile à lui-même comme dynamique de centrage ou au patient comme appui thérapeutique? Je n'ai pas 3 heures pour répondre à la question. Alors, à ce jour, je n'ai pas non plus une pratique énorme. À ce jour, pour moi, là, ma voix, l'écoute de ma voix me sert à me centrer et à m'ancrer. À ce jour. Voilà. Après, je... Donc, tu en t'en sers comme un outil personnel. Ouais. Et oui. Tu n'as pas pour l'instant noté une interaction particulière ou un effet particulier sur le patient par rapport à l'intonation qu'il portait. Non. Par contre, le retour, c'est les patients, en fait, aiment bien avoir une voix posée, quoi. Je te remercie. Voilà. Merci beaucoup, René.
enfin, notre dernière candidate, Séverine Huguet, ostéopathe à Mazan. Séverine est une exception, car elle n'est pas diplômée de l'année dernière, mais de l'année d'avant. La présentation de son mémoire l'année dernière, en format 1 heure, lors d'une conférence d'Eurostéo, avait fait l'unanimité. Conférence visible sur notre chaîne YouTube. C'est la raison pour laquelle elle revient cette année en version 180 secondes. Le titre de son mémoire, l'empathie, outil de savoir-être ostéopathique. Bonsoir, je me présente. Je suis la fée empathie. Oui, la fée empathie qui pourrait, d'un coup de baguette magique, lutter contre la violence à l'école, favoriser le lien social dans l'univers impitoyable de l'entreprise, ou bien donner bonheur aux adeptes du développement personnel. Mais au fait, savez-vous qui je suis réellement ? Voulez-vous que je vous parle de mon côté obscur ? Florence, s'il te plaît. Viens voir. Ah. Grâce au talent exceptionnel de Florent, vous avez tous ressenti, en même temps, de la peur. Et pourquoi ? Parce que vous vous êtes imaginé automatiquement à sa place. Eh bien, ce phénomène inné et universel que vous ne contrôlez pas, eh bien, c'est moi, le premier niveau d'empathie. En effet, comment ça marche ? Eh bien, grâce à nos petits neurones miroirs qui sont très copains avec notre système émotionnel. En effet, l'humain est ainsi conçu qu'il est en résonance, en miroir avec ses congénères. C'est l'empathie réflexe. Mais faisons plus ample connaissance avec le deuxième niveau d'empathie. Plus que des manifestations neurovégétatives, eh bien, ce niveau-là produit du sens. Il permet de comprendre l'autre, le patient. Et vous pouvez tous développer ce potentiel empathique. Oui, c'est possible. Grâce à une démarche personnelle, d'introspection et de réflexion. Commençons par voir ce que n'est pas l'empathie. La sympathie, tout d'abord, qui est basée sur une relation fusionnelle où vous et le patient êtes indifférenciés, êtes le même. La compassion, maintenant, basée sur une relation de mise à distance tellement importante que la rencontre ne peut pas se faire. L'empathie, elle, consiste à être suffisamment proche du patient comme si l'on était à sa place, mais sans jamais se perdre soi. Sinon, comment l'aider ? Alors, pourquoi est-ce si difficile de créer un espace où l'on est simultanément le même et différent ? Eh bien, parce qu'en fait, être en relation, c'est être en résonance l'un avec l'autre, et ce, également à un niveau inconscient. Et cela, ça réveille le petit monstre caché en nous, le protecteur de notre ego. Je vous présente l'emprise, le côté obscur de l'empathie. Alors l'emprise, de quoi parle-t-on vraiment ? Eh bien celle que l'on pourrait fantasmer, celle que l'autre pourra avoir sur nous, et des désirs inconscients d'en avoir sur l'autre. Donc vous comprenez maintenant qu'il existe des résistances à l'empathie et qu'il est intéressant de questionner ses propres résistances psychiques pour réguler la notion d'empathie. Mais pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'en fait, le corps traduit ce qui se passe à l'intérieur, à tous les niveaux, du plus conscient au plus inconscient. Nos attitudes, nos postures, notre intonation, en fait, le corps habille les mots. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que 93% de la communication est non-verbale. Effectivement. Donc, quand vous n'êtes pas dans des dispositions empathiques, le patient, l'interlocuteur le capte. Donc, l'intérêt pour l'ostéopathe d'être à l'écoute, d'être attentif au langage des corps et à ses propres résistances psychiques me paraît indispensable. Alors, s'il vous plaît, soyez à l'écoute, observez, prenez conscience, mais faites-le sans jugement, sans a priori. Parce qu'en un mot, appliquez-vous cette empathie à vous-même et vous développerez ensuite plus d'empathie avec les autres. Pour conclure, ce que la fessée est que la rencontre avec l'autre
passe d'abord par une rencontre avec soi. Pardon. Ce que l'a fait c'est ou ce que l'a fait c'est ? Eh bien, t'imagines, Florent. C'est l'empathie. Dernière question ira à Muriel. Bonsoir Séverine. Bonsoir Muriel. J'ai adoré lire ton mémoire et en fait, je me rends compte que j'ai encore plus adoré t'écouter en parler. Et tu as super bien résumé tout ce que tu as voulu nous transmettre. Et ma question... selon toi, on a bien compris dans ce que tu as dit qu'effectivement, il était nécessaire pour pouvoir être en relation avec l'autre et une relation d'aide, d'une vraie aide thérapeutique. Ça passait aussi par la connaissance de ses propres mécanismes internes et de sa posture. En quoi tu penses, au vu de tout ce que tu as pu étudier et conceptualiser et expérimenter, en quoi tu penses que les études d'ostéopathie pourrait être améliorée. Dans quel sens elle pourrait être améliorée d'un point de vue peut-être pas forcément théorique, pratique. Quels outils, toi, tu pourrais proposer avec ton recul pour, même si c'est une démarche personnelle et qui prend des années, de réfléchir à ses résistances, à l'empathie envers soi-même et c'est un chemin personnel, en quoi on pourrait améliorer, donner des outils pour faire ce cheminement ou donner du grain à moudre? Selon toi. Eh bien, en créant un module savoir-être à Eurostéo, et ça aurait tout son sens. Parce qu'en fait, ce mémoire m'est venu... alors moi, je suis infirmière en psychiatrie, et alors on travaille énormément avec ces notions de transfert, contre-transfert, bref, pas trop de gros mots ce soir, mais il n'empêche qu'on se questionne constamment sur qu'est-ce qu'être soignant, comment on fait pour travailler avec soi, être en relation avec l'autre, tout en restant dans sa fonction. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, avec ces 10 années, oui déjà, 10 années d'expérience, de questionnement, d'outils, de régulation, de réflexion d'équipe, j'en étais qu'au début, et je me suis rendu compte que les différentes corporations, en fait, n'avaient pas forcément cette culture et cette démarche, et que ça pouvait poser des situations assez délicates où on tombait facilement dans un jugement, dans des difficultés et dans des positionnements de fusion ou de mise à distance, mais sans en être ni conscient ni vraiment acteur, parce qu'à manquer d'éléments et de réflexion et de théorie. Donc Jérôme, je t'invite vraiment à réfléchir, à introduire la notion d'empathie, mais peut-être d'autres notions qui ne vont pas de soi. En tout cas, les outils, ensuite, chacun pourra cheminer sur son chemin empathique. Mais ça pourrait commencer à l'école, ce serait bien. Je te rassure, Jérôme se pose les questions. Très bien. Merci Séverine. Quelle soirée. Avant la remise du prix, je voudrais remercier quelques personnes. Je voudrais remercier Christophe Souchon pour la mise en image et en son de cette soirée. Christophe, t'as fait un super boulot. Sandrine Marquez, pour toute la communication autour des événements d'Eurostéo, notamment les conférences Eurostéo. L'ensemble de l'équipe des formateurs qui se dévouent corps et âme pour le bon fonctionnement de notre SCOP. Les étudiants et anciens étudiants d'Eurostéo. Qui donnent à cette école son éternelle jeunesse. Et je laisse le micro et la parole à notre directeur pour le mot de la fin. Et j'invite à venir derrière Jérôme, enfin devant, je ne sais plus où vous voulez, les 8 candidats, plus, et une pensée pour Léa. Alors je vais revenir sur mon propos brièvement de tout à l'heure.
En précisant qu'à... Oui, 180 secondes, ça ira très bien. En précisant qu'à Eurostéo, nous sommes des formateurs d'adultes. C'est-à-dire que nous sommes formés, l'équipe est formée à l'accompagnement et non pas à la transmission. Nous réfléchissons en termes de groupe. Le groupe est une ressource et pas un obstacle. Et nous réfléchissons en termes d'acquisition de compétences. Une compétence, c'est un savoir, un savoir-faire, un savoir-être. Et je pense qu'on a eu ce soir un magnifique exemple de ces trois savoirs, grâce à vous neuf, j'inclus Léa. Et je tiens vraiment à vous remercier pour ce magnifique travail qui nous valorise, il faut le dire. Et, en tout cas, vous avez visé la Lune et vous avez atteint les étoiles et c'est à vous que vous le devez. Merci infiniment. Bon. Alors, le grand gagnant de la soirée, eh bien, c'est Marius qui nous a vraiment beaucoup fait rire. Et puis quand même, il y a forcément un podium. Et juste derrière, eh bien, merci à Séverine qui nous a fait une prestation extraordinaire. Et enfin, puisqu'il faut une médaille de bronze, c'est une médaille ex aequo. Et donc, merci à Laure et à Philippe. Ils sont à côté, ça tombe bien. Pour la belle prestation également. Ah oui, pardon. Alors, c'est l'école qui paye le champagne, donc ça n'est pas du cru de Dom Pérignon. Mais c'est une bouteille que tu boiras en pensant à nous avec plaisir. Merci, Marius. Merci. Et bravo. Merci à tous pour votre écoute.